À la fin de cette vidéo, vous saurez comment créer un buzz interplanétaire. Mais avant ça, yo! 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 Yoda! Yo! Yo les gens, salut à tous! Bonjour à toutes et tous. La liaison. Toutes et tous. Merci. Bref, tranquille les gens. Je suis pour interdire les smartphones. La tête d'homme aujourd'hui, ça va pas se passer comme ça. Aujourd'hui, je vais insulter des mères. C'est notre projet! Fils de pute. Bon. Oh, je suis pas content. Bah moi je suis content, j'ai réussi à faire rire Wankil Studio. Ouais, Wankil Studio, avec une vidéo sur Emmanuel Macron. Je te la mets en description, tu l'as pas vu. Eh bah j'ai réussi ma carrière YouTube avec ça. Je peux arrêter en paix là. Oh mais tu peux chercher hein. Même des gros youtubeurs, y'en a pas énormément qui ont fait rire l'un qui était acide. C'est des gens avec un humour développé, fin, raffiné. Regardez le packaging. 1, 2, 3, prout. Bon, autre chose, là, on arrive aux 5000 abonnés sur la chaîne. C'est cool, mais c'est quand même assez ridicule. Du coup, peut-être que je vais m'y mettre un petit peu plus sérieusement, tu vas voir. Il y a les vacances qui arrivent, je vais avoir pas mal de choses à faire, mais j'aurai aussi beaucoup de temps pour écrire, tourner et monter. Non, parce que mine de rien, la chaîne Pierre de Fêté, c'est 4 ans quand même. Elle commence à devenir jeune fille. Il y a de la barbichette qui commence à pousser en dessous du bouton s'abonner. Et avec les projets qui arrivent, c'est vrai que ce serait pas une bonne idée de devenir actif sur cette chaîne. Ce que j'espère, évidemment, si ça arrive vraiment, si vraiment je deviens actif sur cette chaîne, c'est que vous, partout, d'où que vous veniez à la base, bah vous soyez aussi là, actif pour regarder les vidéos. La vue, le pouce bleu, le commentaire, le partage, le don, la pipe. Du coup, pour les 4 ans de la chaîne et 5000 abonnés, c'est peut-être l'occasion pour moi d'introduire un petit moment émotion dans cette vidéo qui sera dédicacée à toutes les rencontres, grosses ou petites, de youtubeurs que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Plus particulièrement les gens de ma subbox. On a YNK Cartel et Obno, deux flingués de la tête m'amènent. Aussi impressionnants par leur feed sur Call of Duty que par leur humour gras et cru. Ils ont aujourd'hui quitté ce monde, malheureusement. Le monde de YouTube, hein. Alors, ils refont quelques petites apparitions par-ci, par-là, de temps en temps. Mais en tout cas, ils ont bien lâché Call of Duty, mais bon, ça reste des bons. On a aussi Mistou, Mister Grieve, Thomas pour les intimes, la banane des Antilles pour les encore plus intimes. Lui aussi a pas mal lâché le YouTube Game et encore plus Call of Duty, mais ça n'empêche qu'il a quand même réalisé parmi les meilleures vidéos sur ce jeu qui sont encore disponibles sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à les voir. Aujourd'hui, monsieur est dans la jet set du football, monteur vidéo pour le Paris Saint-Germain. Attention monsieur, bon il est encore joueur PC à ses heures perdues et surtout spammeur de story snap. On a Ilias, Dark Spiritus, lui aussi a quitté le monde de YouTube. Ah, qu'est-ce que tu veux que je dise sur Ilias, ce jeune gréco-parigo indécis de Melbourne, un cœur tendre dans un blindage à la T-Bone Shape. Ouais, c'est un Kidder Maxi, le mec. On a Elsa, Azerty XVII, putain de pseudo de Kiku comme le 4 dans Dark Spiritus d'ailleurs. Elle aussi a quitté le monde de YouTube, pour l'instant en tout cas. Bah, Azerty, c'était la commentatrice de la On My Way avec qui je parlais pas énormément. Parce que j'ai jamais trop parlé aux membres de mes teams performance de toute façon. Puis finalement, le jour où on est allé dans les studios de Glory4Gamer pour aller tester de streamer, etc., bah elle s'est incrustée, et puis après, bah il y a une confiance qui s'est instaurée, bah, je me suis pas mal attaché, et puis voilà. Nous avons aussi ALKASOCE, aka Alcasos, aka Ludovic du 91. Kilo sur kilo de cocaïne, litre sur litre de Jack Daniels, gosse sur gosse. Et pourtant, il n'a rien perdu de son humanité, de son humour et de son démon. Pareil, une confiance hors norme qui s'est instaurée avec lui. Et je sais qu'en ce moment même, ses poils de barbe frémissent à l'idée que je lui suce la teub et qu'il va mettre un commentaire où il se fout de ma gueule pour masquer le fait que ça lui fasse plaisir. Non, bah en tout cas, lui, il n'a pas arrêté. Même si c'est pas le gars le plus actif du monde sur YouTube, et bah il mérite toujours plus de percer. Et puis, bah il mérite enfin que ses projets réussissent comme le putain de projet du studio G4G, par exemple. On a aussi Belloum, Dimitri Makref. L'homme aux 1000 comptes sur YouTube, on le surnomme. Alors apparemment, il aurait supprimé toutes ses vidéos sur sa chaîne Belloum, mais il n'est jamais inactif sur YouTube. Cherchez bien n'importe où sur YouTube et vous allez trouver une nouvelle chaîne qui vient d'ouvrir. Oh, il fait ça tous les 3 mois, je sais pas, c'est un rituel. En tout cas, bah, Belloum, le picard, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, c'est la famille maintenant. Et enfin, on a les deux dernières chaînes. D'abord la Chiquitos Productions, dont je dirai rien dessus, hein, voilà, si ce n'est, si t'es pas encore abonné, bah vas-y, va voir toutes les vidéos que t'as ratées. Et on a Silicon Baby, et qui est, comme il s'est renommé récemment, Marx Tout-Puissant. Atari à ses pseudos, c'était sans savoir qu'il s'appelait Aristide. Ouais. Bah oui, ça doit être la rencontre qui a le mieux matché sur YouTube, on va dire, hein, voilà, un humour complémentaire qui va bien pour les vidéos, des goûts proches en termes de films, de musique, de politique, puis des désaccords aussi parfois pour des petits débats bien rodés, bref,
Harris qui a supprimé aussi toutes ses vidéos sur sa chaîne, le con, enfin quelques perles restent encore là, du coup bah n'hésitez pas à aller les voir. Voilà pour le petit moment émotion et suçage de tub, j'espère qu'il vous aura fait plaisir. En passant un petit mot sur l'avenir sur YouTube, avec les deux couillons que je viens de citer, donc Belloom et Silicone, on doit lancer un gros projet qui impliquera de gros moyens dès que possible. C'est vraiment pour ce projet là que j'ai envie de continuer YouTube, donc bah je vous tiendrai au courant sur ce qui va arriver par la suite, hein, évidemment. Enfin, pour être conforme au titre et que ce soit pas totalement putaclic, on va rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire à moi. Parce que oui, j'ai créé le buzz, bordel. Enfin, créé, non, mais j'ai surfé sur un buzz. T'as déjà sûrement vu cette grosse chose qui gestibule et qui dit appelez l'index, s'il vous plaît. T'as peut-être vu aussi cette oie qui se fout de sa gueule. Et bah, c'était moi. 250 000 vues sur ma chaîne secondaire, 20 000 retweets et des millions de vues sur Facebook. C'est simple, la vidéo a fait plus de vues qu'il y a eu des lecteurs d'Emmanuel Macron au second tour. Le gars, il était en PLS jusqu'au bout, hein. Ah, il savait que si l'oie, elle se présentait, on aurait eu la première oie présidente de la République française. Enfin bon, elle s'est pas présentée, tout s'est bien passé, pour Macron quoi, pour moi un petit peu moins, parce que bon, il y avait pas mon nom sur la vidéo, il y avait aucun tag sur moi, du coup personne n'a su que c'était moi qui avais fait cette vidéo. Aujourd'hui, vous le savez. Du coup, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit, et je vous dis à très bientôt sur YouTube, le plus tôt possible. C'était Check Da Crew, allez, à plus les gens.